Salut tout le monde, c'est Perryhammer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cartes Yu-Gi-Oh! Hein. Ouais. Donc cette fois c'est les cartes Yu-Gi-Oh! Qu'on a trouvé en brocante. Donc on a tout ça à vous faire voir. Donc moi j'ai ça et dans l'un ça. Donc on va découvrir ça tout de suite. On connaît pas nos cartes à part les premières. Hein. Donc je commence. Et c'est parti. Et dans l'un on va vous faire voir toutes ces cartes, après ce sera mon tour. Alors je commence par double lame Laval, lancement, ange de loyauté. Ultra rare. Stylé. Wow, une belle fake. Ah non. C'est pas. C'est quoi une quoi? Anglais, non? Je sais pas, chinois. Ouais, bah c'est écrit en anglais mais elle est bizarre. Aline, âme protectrice, pouvoir redoutable, charge intrépide, cimetière interdit, carte destruction. Cool. Et stylé. Super rare. Ouais. Et pacte avec le diable. Donc déjà pour ce premier truc, j'ai eu celle-là qui est bien. Ange de loyauté, il est pas mal. Honnête. Et celle-là. Voilà, c'est bien d'or. Voilà. Ouais, tu connais les raretés. Ensuite, je continue avec Miroir du démon. De mon deuxième. Oh, super. Miroir du démon, robot synchronique, attrape syntoniseur. Ah, je l'ai pas celle-là. Une carte chinoise. Du coup, je peux pas dire le nom. Gadget John, Black Pendentif, Tradition impériale ou Commando de la cloche de feu, Destroyer Golem et Armure de Sakuretsu. Hop, je mets aussi celui-là. Ouais, je le mets aussi. En espérant que tu auras des trucs comme moi. Hein. Bah ouais, pour l'instant, t'as vraiment du bon là. Je continue. Alors, je commence avec Chevalier Gaïa, Force de la Terre, que j'ai déjà. En super rare. Voilà. Non, ouais, super. Ouais, c'est ça. Super rare. Herbel Sabre X, Apprentis Amazoness, cartouche de chasse volcanique, Aquamador. Force Arcane 6, l'amoureux. Je crois que c'est 6, hein. Chinois. Rabbit Horseman, Rogue Doll, Magicienne Solitaire. Ok. Et. Ah non, pas le dernier. Alors, Guerrier Colossal que j'ai pas, du coup, c'est cool, hein. En super. Ouais. Ouais, c'est en super, là. Ouais. Brille. Cristal Rajeki. Ça, c'est pour tes cristals. Ermite pour un monstre de cristal. Je crois. Ah, ouais, bête cristal. Ah, tu vois. Hermit of the Prophecy, Confession Morphonique, Wit Phantom, Force Meshabot. Putain, il est au 4600 points! Waouh! Mystic Tomato, Loup déguisé en agneau, Man Eating Treasurious Chest et Super Vision. Ah, tu as 4600 points! Je lirai comment on l'invoque, ça va être marrant. Alors, le traditionnel. Oui, il y a un ultra. Voilà, ultra rare. Voilà, le traditionnel robot guerrier, voilà. Ninja argenté mérite, miniaturisation, royaume de lumière, élimination immédiate au noyau d'énergie, colibri aérien et spatial, cool. Nettoyeur morphonique, ah je l'ai pas, prisomate, en Hungry Burger, ouais, je l'avais en pire je crois, non? Ouais mais elle était française la mienne. Ah ouais d'accord. Burger affamé. MDR, rien que, pour rien que pour le symbole. Ouais, rien que pour le symbole, colibri désert, néospatial, ah cool. Donc bah t'as eu du bon d'or. T'as eu du bon. Et robot gage, je te conseille de le mettre dans ton deck. Ouais. Ultra rare. Alors là franchement. Je vais le mettre en protège. Ça envoie du lourd. Ouais franchement mets-le en protège. Ultra rare. Je regardais. Donc t'as tout fait? Ouais. Bon bah c'est à mon tour. On dit pour quel prix on a eu tout ça? Ah on a eu pour 5€ tout ça les amis. On a 5€ toutes les cartes que vous voyez là. Donc en brocante. Alors, nous avons Extinct Salmon, donc je ne sais pas. Elle brille en plus. Vous verrez pas. Enfin je sais pas si vous voyez, mais elle brille un peu. Je sais pas d'où elle vient. Lancement. Erreur d'invocation. Tsunami. Dragon zombie. Cycle alchimique en démonte. Dévoreur de niveau. Montagne. Toile d'araignée. Et Book of Secret Art. Ok. T'as rien eu. Non, rien eu là. Ah, là, tu fais des prières en premier, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Bah alors, donc vous voyez que les cartes ont quand même pas mal vieilli, hein, ils ont du vécu là. Oh, franchement, les blanches, ils sont bien. Pioche évoluée. Dragon armé LV3. Armure de noyau d'énergie. Forbidden Garment, donc ça c'est une anglaise. Hein. Limiteur d'invocation. Renfort de l'armée. Ah ça c'est une carte super utile ça. Ah. Oh, en rare, Poison Reptilia. Donc je vais la mettre ici. Ah tu veux la mettre là? Ouais. Justice Fracture. Parce que j'ai oublié d'en mettre une. Vas-y mets-la. Prison Morphronique. Et oh cool. Le Briseur d'Armure. Ça c'est une carte que Jaden a. Oh super. En rare.
Génial, il l'a en plus. Ah, génial, super. Ah bah celle-là, elle va aller dans mon deck. Génial, trop content. Donc le briseur d'armure. Voilà, ensuite. Alors là, waouh. Alors là, ça, ça gère. Ça, c'est du bon en direct, la première carte. Donc ultra rare, Insector Gigamante. Donc c'est une française. Waouh, ultra rare. Alors ça, ça gère, je la mets là. Araignée Espion. Vipère Reptila. Magie du Mystérieux 4. Oh, il démonte celle-là. Spadin Vengeur. Spadassin Vengeur. Contrôle cérébral. Je la connais cette carte. Ouais. Tourbillon noir. Cyber Vive Cuirassé. DDM Maître d'une dimension différente. Et Seven Toll of the Bondi. Donc ça c'est une carte apparemment super utile, je crois. Ouais. Il me semble. Ensuite, une petite carte, c'est Sniper Méchabot. Donc, toi, tu la prends. Bah ouais, vas-y. On dirait un. Waouh, alors là en super rare. Le pingouin soldier, dommage qu'elle est pas. Ah, il y a encore un paquet. Ouais, bah oui. Hop. Le pingouin soldier, dommage qu'elle est anglaise. Ouais, elle est anglaise, dommage. Donc c'est le soldat pingouin, je crois. Soldat pingouin. Donc super rare. Bon, c'est pas grave, c'est une anglaise, mais au moins c'est une super rare. Guerrier syntoniseur. Oh. Défenseur méchabot. Je la veux. Jap. Le ver malfaisant. Malfaisant. Le livre de la lune. Ouais, je sais lire japonais. Non, j'y conne. Dragon masqué. Agresseur nocturne. Force de l'infernité. Et égide du seigneur dragon des océans. Ok. 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 Voilà, il m'en reste encore deux. Alors. Hop. Voilà. Dragon divin à quasar. Stylé. Défenseur mental. Énergie ascendante. Toi, t'as vu la défense de fou qu'il a. Attaque des phéromones. Ah bon, il y a combien? 2002. Ouais, quand même, mais il a 0 points d'attaque. Ouais, mais tu le mets en défense. Sanctuaire verdoyant. Fissure. Ah, je la connais bien cette carte. Absorption spirituelle. Oui, trappe gémeaux. Non. Ah, je connais pas. Et entre des araignées. Wow. Voilà. Donc voilà, et maintenant le dernier. Bon, t'as eu plus de lourd que moi. Hein. Moi, je trouve. Ouais. Je veux pas dire, mais voilà. Hein. Alors, nous avons le Gem Knight Master Dia. Donc, lui, je l'ai déjà en FR. Hein. Dolan l'avait eu en double. Ouais. Et en brillant. Donc, là, bah, en anglaise. Ça se prend. Capitaine en maraude. Oh. Cool. Black Illusion Rituel. C'est pourquoi? Je sais pas. Générateur Gémeaux. Parchemin des 6 samouraïs. Route synchronique. Donc, en super. Ouais, en super rare. Donc, super démonté. Footballeur de combat. Laboratoire de recherche cérébrale. Loup déguisé en agneau. Et forêt spirituelle. Donc voilà. Voilà toutes les cartes qu'on a eues. Donc cela à retenir. Hein. En gros, c'est ça, Andor ? Ouais. Alors, attendez. Hop. Bon, ça, c'est juste pour le LOL. Hein, le colibri désert en commun. Carte destruction de la main en super. Briseur d'armure en rare. Poison reptila en rare. Prisomate en rare. Commando de la cloche de feu en rare. En super. Non, en ultra, pardon. En ultra rare. Double lame laval en commune. Mais blanche, synchro. Miroir du démon en super rare. Guerrier colossal en super. Route synchronique en super rare. Pingouin soldier en anglaise super rare. Insector gigamante ultra rare. Chevalier Gaïa, force de la terre en super. Robot guerrier en ultra. Et ange de loyauté en ultra. Donc voilà, bah j'espère que ça vous aura plu. Cet épisode un peu particulier du Yu-Gi-Oh! Hein, c'est pas des boosters cette fois, c'était ce qu'on a trouvé en brocante. On s'est dit, allez, on va leur ouvrir. Voilà, donc bah, on a trouvé vraiment des bons trucs. Donc je vous remercie de regarder. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. On est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la de l'académie.